Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les suites définies de façon explicite à l'aide du logiciel GeoGebra. Alors ici, première méthode, j'utilise l'instruction séquence. Séquence qui est construite de la façon suivante. Expression, variable, puis l'indice initial et l'indice final. Donc l'expression, ça va être la suivante. N carré moins n moins 1. Voilà, la variable ça va être n, le début de la séquence ça va être 1 et la fin de la séquence ça va être 10. Donc on voit ici en vert la liste de points qui ont été créés. Autre méthode pour construire une suite lorsqu'on connaît la formule explicite. Supposons que la formule que l'on souhaite calculer est la suivante, racine carrée de x carré plus 1. Donc voici la fonction. Maintenant, en cliquant sur le menu affichage, je demande d'afficher un tableur. Je vais pouvoir ici inscrire les indices. Il suffit de faire défiler pour calculer instantanément les valeurs. Ici, je vais appeler la fonction et l'appliquer aux indices. Ainsi, j'ai obtenu le calcul des 14 premiers indices de cette suite. Il suffit de les sélectionner et de lui demander de créer une liste de points. Et les points sont automatiquement créés. Vous savez maintenant créer des suites définies de façon explicite.